Alors aujourd'hui, on a prévu une petite séance d'entraînement. On va nager un petit peu. On va faire Sur les trois épreuves, on va faire le parcours natation, c'est-à-dire la moitié du parcours natation, le tour du lac complet. Après, on va enchaîner par une petite séance de vélo. On va faire la route des puits, c'est-à-dire le départ du triathlon qui a été emprunté notamment par le Tour de France cette année. Et puis, on va finir par un petit peu de course à pied pour avoir enchaîné les trois épreuves. Sur l'autre, on envisage de le faire ou de ne pas le refaire, et je pense qu'il y a quand même un an de préparation, c'est-à-dire que même durant l'hiver, avant, quand on va faire du ski de fond ou de la rando en montagne, on y pense. C'est vrai que les 15 derniers jours sont assez compliqués parce qu'on se pose un peu des questions, on ne sait pas comment s'entraîner, on pense être en surentraînement ou peut-être pas assez. Enfin bon, le jour J, c'est vraiment très très important d'être en forme, quoi. Avant tout pour le plaisir, bien sûr, un défi personnel pour se dire que certains y arrivent, c'est une épreuve relativement difficile, certains y arrivent, on n'a pas forcément des prédispositions pour des efforts comme ça, mais pour prouver aussi qu'avec un peu d'entraînement et de motivation, on peut arriver à faire de belles choses, quoi.